Et salut à tous, et donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Wakfu, toujours en compagnie de Jirakram. Bonjour tout le monde. Donc cette fois, comme on l'a dit, on continue les donjons de niveau 32, donc toujours un par nation. Donc après avoir fait les morpions de Brakmar, on va s'attaquer au moustique de Bonta, donc le palais du dessous. Voilà, donc à défaut de tomber sur un os, on va tomber sur des moustiques. Oubliez pas de prendre les tapettes à mouches à côté, on sait jamais. Ouais, donc donjon de niveau 32, hein, comme le précédent, à Bonta, voilà, ça je l'ai déjà dit. Il y a quoi d'autre à rajouter? Pas grand chose en fait. On va avoir de la boue et des moustiques. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, tous les moustiques et les boues que vous voyez autour de nous, en fait, vous allez retrouver les mêmes dans le donjon. Non, les boues sont vertes dans le donjon. Exact, les boues sont vertes, mais c'est les mêmes gueules. Ouais, c'est des boulets, quoi. J'avais pas prévu celle-là, mais je suis fier de celle-là. Non mais elle est bien, elle est bien. Ah, je suis fier de celle-là. Elle est bien. Il y a du 310 qui apparaît sur mon écran là-haut. Ouais, du moins 400 aussi. Ouais. Il y a quelqu'un qui se bat derrière, on va pas faire attention. Enfin... Et si on rentrait vite dans le donjon? C'est ça. Allez go. Je vois qu'il y avait pas grand chose à dire sur ce donjon. Bah non en fait. À part qu'ils sont quand même moches. Et si un jour vous avez des moustiques comme ça chez vous, déménagez. Tout simplement. Ouais, un grand conseil, déménager. Ou sinon, aller chercher la Kalachnikov. Et encore, je suis pas sûr. Minimum, que... minimum. Minimum. Ouais, du coup, est-ce que tu sais s'il y a un archi-monstre dans ce donjon ou pas? Je l'ai jamais trouvé en tout cas. Bah, je me rappelle pas. Enfin, je m'en rappelle pas. Là. On verra bien. Ok. Alors, tac, ça va être le blanc qui va jouer. Boum. Et boum. Ah, nickel. Ah merde, je suis mal... Pourquoi tu brilles? Je brille pas. Bah t'as un halo de lumière sur 9 cases autour de toi, enfin plus que 9 cases. Ah, Bah tu vois pas que c'est plus clair autour de toi qu'autour de moi? Bah je l'ai pas moi là en fait. Ah oui, mais moi je joue en tactile. Tactique ouais, ah bah oui. Tactile. Bah je sais pas, t'as pas équipé un truc... Si, j'ai le feu de l'amour. Ah bah c'est pour ça. Bah du coup tu vas pouvoir allumer les torches, parce qu'il y a des torches dans le donjon. Oui, mais bah oui. Après est-ce que ça fait spawner l'archi-monstre ou c'est juste pour de la déco, je sais pas. Je viens de voir que j'ai le symbole Illuminati sur moi. Regarde, ah, mes malus. Oui, silence divin là. Ouais, je peux pas être le sort à Wakfu. Ça va, j'ai que deux de mes sorts les plus intéressants qui utilisent du Wakfu. Bon. Mais du coup celui-là, non, y avait pas un chan normalement au niveau des salles? Bah, apparemment pas, hein, sinon ça nous l'aurait mis. Hein. Ouais, je sais plus. Parce que si je regarde dans les exploits, t'as rien de particulier. Hein. Non, c'est pas des exploits, tu sais, c'est comme les chaffaires, tu sais, ne pas perdre plus de 50% de ses PV et tout. Oui, mais voilà, mais sinon y'a rien. Hein. Ouais. Bah, ouh, quel drop monumental. T'as vu un peu ce qu'on a eu? Oui, vite fait, ouais, bah c'est un peu de mince. Des ressources quoi, c'est tout. Ouais, bon, ça a l'air d'être de la déco apparemment. On verra bien une fois qu'on aura tout allumé. Ouais. Alors il y a un truc caché, non je sais pas. Non, il y a rien par là où t'es parti. Tiens, je suis en train de voir que j'ai une moumouche moi d'ailleurs comme familier ici. Bah c'est ce que t'avais dit. Ouais, non mais la moumouche contre les moustiques. Y a quoi là? Si je suis, y a quoi? Ah mince. Ouais, c'est pas facile de suivre en fait. Bah ouais. Ah oh, mais tu peux aller nulle part. Ah, j'ai pu cliquer sur l'eau. Ouais, moi aussi. Enfin, sur l'eau, ah, vite fait. Là, ouais. Tu peux pas aller plus loin? Ouais, je peux faire le tour ici, en fait. What? Ça revient au même, en fait. Ah oui, ok. Moi, je pensais qu'il y avait un passage, tu vois. Ouais, moi aussi, mais en fait, non. La déception. Bah ouais, c'est ça. Grande déception. Allume la bougie au milieu. Ouais, voilà, c'est cool. C'est joli. C'est beau. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais faut exterminer les moustiques, hein. Nous sommes une agence non, c'est pas dératisation qu'on dit pour les moustiques. Et démoustication, ça fait... Ouais, voilà, de démoustication, oui. Bon, par contre, pas de dégâts hauts, va falloir qu'ils se calment. Ah ouais, t'as pas fait de dégâts hauts, là? Bah, après, je veux bien y aller aux dégâts air, mais juste, les moustiques vont durer moins longtemps sur le terrain, quoi. C'est pas le but? Bah, ça dépend. Si on a plié l'épisode en 5 minutes, c'est pas drôle non plus. Oui, c'est vrai. Par contre, j'ai jamais compris les sangsues Tsutsu là. Au bout d'un moment, elles explosent. Oui, c'est qu'en fait, elles ont tellement de sang dans le
Mais avaler tellement de sang, c'est des kamikazes, on est d'accord. Oui. Mais le boss c'est un peu pareil hein. Le boss je crois qu'au bout d'un moment il grossit trop en fait. Ça le tue pas mais ça doit lui infliger des dégâts je crois. Ah du coup va falloir qu'on fasse attention quoi. Pour le tuer si on le tue en dernier. Après okay, si on le tue en dernier les autres. Bah de toute façon techniquement tant qu'il nous touche pas c'est bon. Bon je crois qu'elle je vais laisser mourir comme ça. Bah. Tant qu'il voit après oui voilà, casse-toi et finis de dégommer les autres quoi. Non mais t'arrêtes de parade oui. Je crois qu'elle t'en veuille. Non. Tu crois? Ah bah là, quasiment sûr. C'est une illusion. Bah, je crois pas. Bon alors désolé mais il va y avoir du dégât haut là, sinon je touche rien du tout. Là tu vas mettre tes pièges. Maintenant tu vas les kunai. Bah ouais. Bah vas-y hein. On fout les chalots au final. Bon après j'aurais pu poser un piège de feu mais bon. Bon, bah voilà. Explosion. Tout simplement en fait, il a disparu. En fait pour les dégâts qu'ils nous font, on ferait mieux de les laisser nous toucher et de les laisser s'exploser ouais. Hein. T'en penses quoi? Bah autant, enfin ça met du temps après. Ah c'est pas faux. Ah j'ai droppé le casque. Dégâts air et terre, ça t'intéresse? Non. Ah ok. Top. Et par contre en bas là t'as vu, il y a un morceau de bois là, enfin une petite je sais pas trop. Ah là devant moi en bas. Je sais pas, c'est un pont qui va continuer tu penses ou je sais pas. Ah peut-être une fois qu'on aura fini la salle là. Je sais pas. Ouais là où t'es là ouais, ce truc. Ouais c'est possible. Je sais pas. Rien. On va, on y a encore fermé micro-quête en bas ici. Ouais mais j'ai pas le nombre qu'il faut. Non mais je regarde du coup s'il y a autre chose. Il en faut 5, j'en ai pas 5. Ah j'en ai pas 5, j'en ai 0 moi de toute façon. Bon, je dois en avoir une. Oh, on peut passer par la caisse, ok. Je suis à faire le tour. Ah oui, oui oui tu peux passer par la caisse, oui. Bon. Bah go. Bah go. Mince, j'ai mis non. Ah. Go. Non. Ah d'accord, bon bah tant pis. Non mais c'est qu'en fait j'ai appuyé trop vite. Ouais, je me doute. Et les gros bouts de verre là, c'est un peu chiant leur glyphe. Hein. Bah disons que les gros bouts de verre en fait c'est qu'on a cassé un verre quoi. J'ai pas osé la faire tellement je la trouvais nulle. Ah oui non mais moi je la fais, moi c'est bon je m'en fous, je suis classé après niveau réputation. Ouais, ouais c'est pas faux. Non mais tu te rappelles des effets de leur glyphe ou pas? Oui. Oh putain oui. C'est oh, chiant. Hein. Là tu vas t'en prendre 4 minimum. Si tu bouges pas. Hein. Ah mais je sors, je suis pas fou. Tiens pour la peine. Ouh, t'as raté le challenge. Y a pas de challenge qui tienne. On me crache dessus, bah on bat les couilles. Arrêtez. Et est-ce que tu fais attention au bruit qu'ils font quand ils les posent? Non du coup avec j'ai le sang réduit mais. Et ça fait genre je me rappelle, ça fait un truc que... Mais ils me crachent dessus quoi. C'est ça. Mais c'est trop drôle. Moi ça me fait trop marrer. Du coup, bon pas qu'ils me crachent dessus hein, ça me fait pas marrer mais oui. Le bruit qu'ils font ça me fait marrer. Putain et la sangsue par contre elle passe dessus ça la fait, ça lui fait rien. Bah si elle active le glyphe. Ah oui non. Mais elle prend pas les malus. Oui elle prend pas les malus. Enfin elle active pour toi quoi en fait. Trop aimable. Ah fallait pas. Ou il a pas apprécié. Ok. Et boum. Et moi. Ah non c'est bon. Non je sais viser, je sais viser. Moins 214. Ça va. C'était un critique. C'était un critique ouais, c'était un critique. Ah bon? Ouais. Ah. Toi déjà au revoir. Et t'es prêt, t'es prêt? Et hop là. Et boum. C'est ça. Oh tu pouvais faire la flèche de recul, tu sais hein. Ça m'aurait enlevé quoi? Non je régène, ça va être en attendant au prochain tour. Ah non du coup je l'ai assis sinon. 45 PV ça va. Ouah mais quel drop phénoménal depuis tout à l'heure. Non mais ouais je sais pas, ils ont pas envie. Même les chauffeurs on a pas eu des trucs fous. Bon non. Le point bah, il arrive. Toi t'as eu deux trucs du chauffeur impérial à la fin. Non c'est le boss en fait de l'autre côté là-bas. Ah bon? Ouais. Ah bah merde alors. Mais dessous le pont là tu vois y a un passage non?
On va voir. Là, ce qui longe. Mais je sais pas si on peut y descendre. Bon, j'ai tout allumé, hein, donc... T'as tout allumé? Ouais. Ouais, bah... Ouais, bah, y a pas d'archi-monstre, apparemment. Hein. Bah, je trouve ça un peu con, quand même, parce que... Il y en avait dans le chaffeur, donc... Ouais. Puis tu... En plus, je l'aurais bien trouvé un super nom, moi, à l'archi-monstre. Tu vois, un moustique un peu aquatique, ça aurait été le tsunami, tu vois. Ah, elle est bien, celle-là. Mais ouais, j'aurais trouvé trop stylé, on peut pas descendre. Bah, je trouve ça nul, parce que pourtant, tu dirais que t'as la place en bas. Bah, ouais, je sais pas. Oh, c'est nul. Oh, je suis déçu. On bute le boss. T'as un escalier en plus. En bas, mais tu peux même pas y accéder à ton escalier. Ouais, mais enfin, l'escalier, il mène à rien. Bah, t'en sais rien, peut-être qu'il y a un recoin caché. Peut-être. Ou alors, c'est... Attends, je vais voir dans la première salle si ça s'est débloqué là-bas. Vas-y, vas-y. Ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Par là. Mais c'est bizarre, enfin, il y en avait un pour le chauffeur, je vois pas pourquoi il y en aurait pas pour lui. T'en penses quoi? Si je le savais, Ah, je trouve ça bizarre. Parce que c'est pareil, pour, bah, disons, voilà, pour le donjon Cococo, il y en a un. Oui, il y en a un. Bah voilà. Ouais, mais si tu as chauffeur et Cococo, on avait le, tu sais, le tchal, pas... Enfin, il y a le tchal, tu sais, ne pas perdre plus de 50% de ses PV. Ah aussi. Ouais. Ouais, là y a rien là en fait, ouais. Bon, apparemment y a rien dans la première salle, alors je sais pas. Non, y a rien. Bon, ouais. Je viens de regarder vite fait un petit peu sur internet, y a pas d'archimède. Ah, ok. Bon bah je reviens et puis on est parti pour le boss. Ok. Le donjon le moins intéressant du jeu. C'est ça, mais le plus rapide en fait. Hein. Ouais, c'est enfin, ça. Tu vas me dire, on n'a pas encore fait le combat du boss, mais pour l'instant, enfin... J'ai pas regardé le chrono, mais à tout péter pour faire les trois salles là, on a dû passer moins de 5 minutes. Hein. Bah je pense aussi en fait. Hein. Ah peut-être pas... Ouais, quoi que... Alors, j'en sais rien en fait. On a pas dû mettre plus de 10 minutes en tout cas. Hein. On verra bien. Ça m'étonnerait. Bon bah du coup, en dernier. Ouais. Comme ça on se débarrasse de tous les bouts verts qui nous cassent les pieds avec les glyphes en premier. Ah oui, sinon ça va être... Après s'il se met devant, ça va être... What? Il a pas 3000 de range. Hein, la portée à l'autre bout de la map. C'est pris non, pour mais c'est surtout que j'ai pas compris parce que l'animation... En fait, oui, c'est l'animation moi qui l'a attaqué. S'est fait loin. Bah oui, elle était loin par rapport à moi, l'animation. C'est pour ça que je comprends pas. Je sais pas. Enfin bref. Allez, bim. Allez, bim. Non, mais il s'est pris moins 3 PA et il a quand même réussi à poser un glyphe. Ah, ils en posent deux d'habitude, donc bon. Oh, c'est une blague. Ils ont combien de PA? Oh, les pauvres. Bah, ils en ont 4. Regarde où je tire. En critique, en plus. Allez, salut. Ça a pas aimé du tout. Oh, les pauvres. Je touche que celui-là. Ah, c'est pas grave, c'est toujours ça. Hein. Oui. Ah, bien fait, c'est pas moi. Oh, c'est pas grave. Hein. Là, il s'est enlevé du poteau qui me gênait. Oh, ah, pourquoi je suis fermé? Je viens de me faire convertir. Il va exploser, oui. Le bordel. C'est ce que j'étais en train de voir en fait. Il m'a l'air bien gros ce bonhomme. En fait non, en fait là, en fait à chaque fois qu'il grossit comme ça, il perd des PM. Mais il gagne des résistes. Bon, tant qu'il explose pas. Ouais. Attends. Je me casse à l'autre bout. Non mais ah, il a assez. Tant pis. Vas-y, dégomme les bouts et les dessus, les sangs, les sangs. Un petit critique encore. Ça va quoi? T'as pas honte de toi? Non, ça va, regarde, hop là, même lui là-bas. Bah maintenant il peut exploser en paix. Oh, il a dégonflé. Ah, il dégonfle au bout d'un moment. Oh, le fils de chien. Sauf que maintenant il a plus ses résistes. Bouge pas. Téléportation. C'est trop stylé ça, je trouve. Ouais, mais je peux poser qu'à 6. Ah, ça les détruit à chaque fois? Bah ouais, c'est un usage unique, un piège. D'accord. Ouais, mais comme c'est toi qui utilisais... Ah bah non, ça change rien. C'était quoi le truc? Ah mince, pas de corps à corps d'un ennemi. Bah tant pis. Alors si tu l'affaiblis pas trop, je veux tenter de lui mettre extrêmement cher dans sa gueule. Vas-y. Alors déjà, je prends ça. Je pense pas que ça le tue si je passe derrière. Non, ah, 4... oh, tant pis. On va voir combien il prend dans la gueule. 451.
Ouais, ça fait trop trop mal. Là je level up et j'ai du drop. Moi aussi j'ai du drop mais j'ai pas level up. Transmute 50, ça va pas t'aider ça. Non. Alors j'ai le plastron, j'ai une bague, une oh, cape. Oui. Oh la bague que j'aime. Regarde ce que ça donne. Des dégâts mono-cibles et à distance. Si tu veux je te passe la mienne, j'en ai deux du coup. Non du coup j'ai le styrano aussi à côté pour les dégâts feu. Alors attends, j'enlève les ailes de mosquito parce que j'en ai rien à faire. Du coup je prends la miniature. Ah mais le problème c'est qu'il me faut une place de libre en plus. Bah la trompe du tsar-tsar, tant pis hein. Hop là. Et je récupère le plastron. La transmute j'en ai pas besoin, les pattes j'en ai pas besoin, la boue j'en ai pas besoin. Ok. Regarde dans le coffre je sais plus ce qu'il y a. Une fille, ah, oui. Mais je l'ai déjà eu, donc je m'en fous. Et voilà, puis moi voilà. Je la veux pas, donc je m'en fous. Voilà, donc on ressort. Bon, et ça a été assez rapide hein, qu'est-ce que t'en dis? Bah je sais pas, j'ai pas le chrono sous les yeux. Bah moi non plus. Et j'ai pas regardé à quelle heure on avait commencé en fait. Au pire on fait autre chose, on se balade, on visite. Bah attends déjà je pose ma miniature du tsar-tsar. Je préfère visiter, tu me diras. Alors. Pivoter. Ok. Du coup je vais déposer ma clé. Vu qu'on a fait le donjon, on en a plus besoin. Ouais. Enfin j'en ai plus besoin. Ah mince, j'ai plus de place dans mon coffre. C'est pas vrai. Faudrait qu'on aille chercher les Kitea. Ouais. Kitea aventurier. C'est pas grave. Du coup, tu veux qu'on fasse quoi? Bah j'en sais rien en fait, je suis en train de réfléchir. Je m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Bah moi non plus. Mais le truc en fait c'est qu'on peut... Enfin nous ça a l'air rapide, enfin on a l'impression qu'on l'a fait rapidement mais après comme on sait pas exactement combien de temps on a mis, ça se trouve on... Enfin ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne quoi. On les avait prévenus hein. Ah oui on vous avait prévenu hein. Mais je pensais quand même pas que ça allait... Ouais. S'il y aura des épisodes plus courts donc... Bah tant pis ouais. L'épisode finira là, ça fera un épisode court. Si ça se trouve il y en a qui seront contents, un épisode court. Oui remarque oui. Bah donc on s'arrête là alors. Ok. Allez. Bah écoutez les amis, on vous a montré ce que c'était que le palais du dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, quand t'as dit dessous, j'ai rigolé. Bon d'accord. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si c'est le cas. Si vous voulez jouer avec nous et accessoirement peut-être passer dans une vidéo, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre pseudo dans le jeu, votre niveau et votre nation. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et ciao les Wakfusiens. Ciao tout le monde.